Mes petits camarades, bien le bonjour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 31 juillet 2020. Et devinez où on est parti, Alexandra, ma petite fille. Et moi, on est parti faire le tour du bassin des Marquisades. Donc je suis en haut de Revin. C'est plat, hein. Papy a dit que c'est plat aujourd'hui parce que papy ne veut pas se fatiguer aujourd'hui, il va faire trop chaud. Je dis bien pour l'instant c'est plat. Pour l'instant, tu as raison de préciser, pour l'instant c'est plat. Mais cet après-midi aussi. Normalement, on va faire encore deux balades aujourd'hui. Donc ce matin, le tour du bassin des Marquisades. On ira ensuite manger notre traditionnelle frite, beefsteak, glace, caramel, chocolat, si elle en a racheté, Rosa. Hein, c'est pas sûr. Si elle en a racheté. Oui. Et cet après-midi, on fera le tour des vieilles forges, du bassin des vieilles forges. S'il fait pas trop chaud, hein. Ouais, s'il fait pas trop chaud. Mais bon, on a de l'eau, on a tout ce qu'il faut. Ouais. En principe, ça devrait le faire. Hein ? À tout à l'heure, les petits copains. Encore une maison ? Et bien sûr, tu sais bien. Agapi a toujours plein de maisons dans les bois. Hein ? Agapi, c'était un monsieur qui habitait tout en haut, là. À côté. Entre le malgré tout et puis le malgré tout. Mais non, mais parce que, voilà, Agapi, c'était un monsieur qui faisait du charbon de bois, donc il vivait dans les bois. Et moi, je suis très admiratif de ce monsieur-là, parce qu'il vivait un peu comme un sauvage, hein, il allait au buté, enfin, voilà. Il était dans ce secteur-là, malgré tout, les au buté. Et puis, il avait des cabanes aussi partout, qu'il construisait lui-même. Mais moi, étant donné que je suis un gros feignant, je prends les cabanes des autres. Voilà. Donc voilà, j'ai trouvé ça là, au cours de la balade. Voilà, c'est là que je garde ma voiture. Voilà, c'est le garage. Et puis c'est là-dedans que je vis, tu vois. Voilà. Donc faut montrer aux gens que ton papy c'est un sauvage. Hein. Bah oui. Puis que les maisons des autres. Alors déjà, Chloé disait que j'étais un pirate parce que j'avais une dent en argent. C'est pas une dent en argent, c'est de la ferraille. Hein. Chloé, c'est pas ça l'héritage. Hein. Donc voilà, on est à l'ombre. On va faire notre petite balade, on va continuer là, et puis voilà. Donc je ferme la maison et on y va, Alexandra. Ouais. Ok. Go. Go.